thank you Suite au décret du 26 mars 2015, un contrat type de syndic est imposé. Je suis en compagnie de Christophe Grand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste à l'arc. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier dans un contrat quand il est proposé par un syndic avant qu'il soit proposé à l'ordre du jour Alors, le premier élément à contrôler, c'est la durée du mandat. Donc, nous, on préconise une durée d'un an et d'avoir des dates calendaires de prise d'effet et des chances qui soient conformes. Est-ce qu'il y a des prestations particulières sur lesquelles il faut être vigilant Alors la première prestation à contrôler, ce sont les nombres de visites de la copropriété. Il faut négocier un nombre de visites qui soit adapté, donc qui ne soit pas insuffisante, de préciser leur durée, d'exiger la présence du président du conseil syndical et un rapport écrit qui relève l'ensemble des points contrôlés. Le deuxième élément, c'est l'extranet, c'est-à-dire un système dématérialisé d'accès docu aux documents de la copropriété. Dans la mesure où l'Assemblée générale exonère le syndic de cette prestation, le montant doit être minoré de son forfait de base, ainsi que l'archivage. Si la copropriété décide de recourir à une société d'archivage, le syndic doit minorer ses honoraires de ce montant. Troisième point, l'Assemblée générale annuelle, on doit négocier un forfait qui soit adapté, c'est-à-dire une durée qui soit conforme à l'âge. Pour minimiser les dépassements. Et on constate en la matière de nombreux abus de la part du syndic qui calque l'Assemblée générale sur l'heure d'ouverture de leur cabinet. Alors que la plupart du temps, l'Assemblée Générale se passe au-delà de ces heures d'ouverture. Alors sur la question des travaux, comment sont calculés les honoraires euh, des syndics? Alors, les, le syndic peut prétendre à des honoraires pour le suivi des travaux hors budget prévisionnel, mais ça doit résulter d'une décision de l'Assemblée générale, décision spécifique de l'AG qui vote les travaux, et ça doit être un pourcentage sur le montant hors taxe des travaux qu'il convient d'adapter au, au regard de la prestation qui est réalisée par le syndic. Est-ce qu'il y a des abus sur certains points récurrents et, et bien particuliers alors on constate des abus notamment en matière d'immatriculation initiale de la copropriété, avec des montants qui sont disproportionnés ou une tentative de certains syndics de vouloir facturer annuellement une immatriculation alors que le texte ne prévoit que la première immatriculation. L'autre point euh, abusif relevé c'est en ce qui concerne les mutations. Donc lorsque un copropriétaire vend son appartement. Le syndic euh, doit établir un état daté sollicité par le notaire. Donc d'une part, on constate des montants à nouveau qui sont disproportionnés ou euh, l'application euh, de ce qu'ils appelle, qu appellent le prêt à daté, qui est une information préalable euh, requise généralement par l'agent immobilier et qui n'a aucune base légale. Christophe Grand, merci pour toutes ces précisions. Merci. Donc il faut être vigilant, et notamment sur la durée du mandat, les dates calendaires, la prise d'effet et d'échéance, sur les prestations particulières, sur les rajouts de lignes supplémentaires qui ne sont pas dans le décret du 26 mars 2015. Et ce que je crois comprendre, c'est que là encore, comme sur d'autres sujets, il faut se faire accompagner et vous avez édité un guide très très utile et très précis sur cette question du, du contrat de syndic. Donc vous qui nous écoutez, je vous invite à vous reporter à ce guide. Voilà. Tout ce qui n'est pas inclus dans le contrat n'est pas facturable, je pense que c'est ce qu'il faut aussi retenir. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain sujet.